Après ce qui s'est passé le 11 septembre, on en est là à se demander, mais alors quoi, comment réagir à ce genre de choses? Les réactions traditionnelles, un peu plus d'humanitaire, un peu plus d'ingérence politique, paraissent un peu dépassées. Et le débat a montré, je crois, même M. Kellenberger, le président du CICR, a bien souligné que nous avions de nouvelles tâches et que nous n'étions peut-être pas encore bien équipés pour faire face à ces nouvelles tâches. Voilà ce qui me paraît le message fort auquel nous devons réfléchir les uns et les autres. Les États ont à y réfléchir, les organisations humanitaires ont à y réfléchir, et je dirais les citoyens individuels, chacun dans sa sphère de compétences et de responsabilités, doit aussi y réfléchir. Nous ne pouvons plus nous en remettre au déterminisme historique à la manière de Karl Marx ou de Lénine. Le monde va sur sa voie et arrivera à son destin, quoi que nous fassions. Nous ne pouvons plus non plus nous en remettre à la divinité, qui semble-t-il n'a pas tout à fait bien fait son travail, même pour ceux qui y croient profondément. Nous devons donc prendre notre responsabilité d'homme. Ce sont les hommes, dans leur société et dans leur élaboration d'un droit humain, d'un droit humanitaire, mais d'un droit de l'homme, qui ont cette responsabilité à laquelle nous ne pouvons plus échapper.